16 décembre, mon prêtre catholique, qui était très critique par rapport au régime de Duvalier, il remportait les élections présidentielles là haut la main, avec une majorité écrasante de vote qui n'a pas même compté même, tellement ouais, c'était une victoire claire. Et à des étrangers dans ce pays, puisque les étrangers avaient soutenu Marc Bazin. Mais la volonté populaire de triompher sur les étrangers, parce que les peuple a été battu, qu'il élection. Élection, ça, il était représenté en transition vers la démocratie pour pays, nous. Et par la suite, Aristide va le faire objet de 3 tentatives d'assassinat entre septembre et décembre 1990, avant l'élection, et supporter, partisan Aristide, ont attaqué le 17 décembre des policiers en uniforme. Titit Pral prend pouvoir le 7 janvier 1991. C'est avec de l'eau d'Angers, mon tap gâté dans la télévision noir et blanc, ça dans la cour, dans la rue, où tu as dit Titit qui t'a parlé. Et rapidement, pour avoir une tentative de coup d'État de Roger Lafontaine, et coup d'État, ça a mal passé parce que l'armée va saper coup d'État, il va juger Roger Lafontaine, etc. Entre-temps, René Préval, Pralvin Premier ministre, et parallèlement, des débats qui peuvent être faits dans le pays rapide, et René Préval comme Premier ministre, Parlement réuni pour regarder si il y a un vote de censure, un vote de non-confiance, mais il était plus ou moins envie d'aller vers notre non-confiance. Parti sans Aristide, il prend la rue, il a menacé pour bouler Parlement à tous les députés. Et bien, la suite, l'armée. Pour aller battre Titi au coup d'État, sous prétexte que Titi était ingéré dans l'affaire l'armée. Premier coup d'État, nous prend barre. À partir de ce coup d'État, Marco, pays a tout changé. Nous avons perdu un élan démocratique que pays a pris. Quel que soit ça, on n'est pas dit sous discours Aristide, etc. Depuis lors, il y avait la rupture démocratique. L'armée prend pouvoir, pays a vu nous l'autre. Nous perdu un momentum. Et ce momentum ça qui prend le ban, tout ça qui prend passé dans l'histoire dans le pays. Et ce momentum ça qui prend le ban, tout président ça, et ce momentum ça qui prend nous, tout ça nous vient là aujourd'hui comme résultat. Le pays pauvre net, pays sous-développé, pays sans infrastructure, etc. Dans 30 ans après, nous avons une situation. Côté, ceux qui avaient soutenu Aristide en décembre 1990 se préparent pour un autre coup d'État démocratique. Un coup d'État aussi démocratique. C'est une question de date, de fin de mandat, etc. À tort ou à raison, nous tombons dans le même bagarre encore. Mandat pas qu'à faire, c'est pas là, mais qu'à faire coup d'État qu'on y a, c'est l'autre. Président, tout fait ça, vous voulez. D'un côté l'opposition, de l'autre côté le pouvoir. Donc, ces résultats, mauvaise gestion qui menait nous là. Depuis le premier coup d'État, nous venons dans l'autre pays. On a besoin qu'on s'y arrête, bon, s'il pas de bon. Mais 30 ans après, nous ne parfons pas en plus. Nous tournons en rond, évidemment. Il y a quelques éléments qui sont devenus beaucoup plus riches, de la drogue, la contrebande. Les assassinats politiques, pillage des caisses de l'État, bon, pas paquet de monde qui vient riche ou profiter, etc. Mais le pays reste et demeure un pays de misère, ok? C'est ça qui vient arriver. Donc, 30 ans après, nous vous disons là, il y a des opérations campagnes. Koukouma Kotezi. Les opérations de la police nationale. Je me pose cette question, Marco. Les directeurs généraux de la police nationale qui ont précédé Léon Charles avaient toujours dit ils n'ont pas comparé et ils n'ont pas de matériel pour mener les opérations.
que ce soit mon ami Gédéon, que ce soit Rameau, M. Ngozi, pas nous. Est-ce que Léon Charles a déjà les moyens pour mener ces opérations? Est-ce que la police là, bah, est plus d'âme, plus machine, plus corps? Qui s'est passé? Vous n'avez pas peut-être remarqué, nonobstant les affinités, comme professeur de Gédéon, bon, comme Rameau est un petit papa, ok, Rameau pas trop qui bien avec, parce que pour taper à Amman, etc. Mais je me permets de dire, aujourd'hui, est-ce qu'en fait le pouvoir central avait raison sous l'aspect de manque de volonté des autorités de la police nationale à mener les opérations dans des faubourgs misérables, là où se cachent les bandits? Je questionne. Pourquoi Léon Charles est venu? Et c'est comme si c'est une autre police. C'est comme si les policiers ont l'autre zeste de mobilisation que au bayo. C'est-à-dire le problème de leadership, comme si son bayo réglé. Est-ce qu'il n'y avait pas un malaise à l'intérieur de la police par rapport à la politique ou par rapport à mode de gestion que pouvoir a fait de la police nationale? Je sais que Rameau avait peur des organisations des droits de l'homme. Je sais. Je sais également que Gédéon ne pouvait pas mener certaines opérations parce qu'en fait, il y a des bagages qui ont demandé, c'était des choses contre l'opposition. Mais Léon Charles est venu, et depuis M. Vinian, préparé opération et Marcos, selon sa Odim, opération a mené dans le village là, les policiers n'ont pas jamais allé. Ce n'est pas opération menée à aller retourner, non? Rété en dedans. Donc, qui s'arrivait dans la police là? Je cherche une explication à ce qui a passé. Pourquoi il n'y avait pas d'opération et pourquoi aujourd'hui il y a des opérations que l'a mené. Bah, regardez, j'ai une question. On ne peut pas lui demander est-ce que le bon, est-ce que le pas bon. C'est beaucoup ça. Est-ce que Rameau avait peur des organisations des droits de l'homme? Parce qu'en fait, Rameau, il voulait créer des dommages collatéraux. Est-ce que ça a fait en dedans là, des dommages collatéraux? Est-ce qu'on a gagné le droit de l'homme pour commencer à dire que Léon sont assassins? Mais à remarquer, dès le départ, je dis que l'opposition pour Léon. Dès le départ, moi au père. Pour qui ça? Qui action moi au père? Il y a votre plainte pour monsieur. Plainte pour votre monsieur, c'est pour effrayer monsieur. Pour monsieur pas faire ça l'affaire. Et c'était une plainte non juridique, mais une plainte politique et stratégique. Parce que si Rameau tentait résoudre le problème de banditisme en dedans, que ce soit dans le village ou bien de l'autre côté, il y a une possibilité d'organisation des élections. Donc, le comportement des bandits est favorable à l'opposition. Parce que pour qu'il y ait un prétexte, à tort ou à raison, prétexte politique, pour dire que nous ne pouvons pas participer à l'élection, bandit a fait, a crasé mon adot à gauche, il y a kidnappé mon, il n'y a pas mettre bureau dans les zones de non-droit. Donc, il faut mettre Léon Charles en difficulté. Mais a bien remarqué, Léon Charles n'a pas prêté flanc à cette déclaration ou à cette manœuvre politique bien orchestrée par l'opposition. À partir de ce moment, donc, Gombaka est passé que je ne peux pas comprendre la police. Je me suis dit, nous qui ça. Et ça me dit, et par encouragement pour aller, nous. Où sont les membres du fantôme 609? Y a-t-il un compromis qui a été trouvé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce qu'il y a une entente? Est-ce que le problème de
de leadership a été résolu. Est-ce que les revendications telles que formulées par Fantomio, est-ce qu'ils sont satisfaits aux revendications ça? Puisqu'en fait, mais pas tant de haut. Ce n'est pas une manifestation, non. Nous attendons au fait des déclarations attentatoires, j'ai noté qu'on fait déjà. Est-ce que quelque part, on bagaille qui passait, il y a un non-dit que nous ne pas connaît. Ce n'est pas que je demande à ces messieurs de se montrer dans les rues, bagaille pour faire la différence. Non. J'analyse. Est-ce que quelque part, on bagaille qui passait dans la police, ça qui fait ça? Est-ce que ce sont les mutations, les révocations, les changements? Parce que je viens de croiser au bureau de la DGI l'ancien inspecteur de la police nationale, Hervé Julien, en civil. Hein? Nous saluons, monsieur. Je dis, ah non, c'est Hervé Julien. Ce n'est pas l'inspecteur. Je profite pour ça. C'est-à-dire, très calmement, je ne sais pas s'il a été. Par contre, ça au favel. Ou qu'on est les retirés, ou qu'on a pris. Par contre, ça au favel. Est-ce que c'est le changement du directeur départemental de l'Ouest? Est-ce que c'est le changement du directeur central de la police administrative? Est-ce que c'est le changement du DCPA? Hein? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le changement commissaire de police? Est-ce que c'est le changement de mutation qui fait dans Pétionville? Boum, bagaille qui passait parce que moi, police là, plus présente. L'esprit est plus confiance. Moi, dans la rue. Moi, dans Turjo, quand il y a ramassé moun. Moi, on peut partout. Pour qui ça, avant ça, ça n'a pas de fait. Est-ce que c'est le problème leadership là, ou du moins, est-ce que c'est le problème salaire, il y a résout, ou bien problème aux vindications, il résout. Mais encore quand même, je ne sais pas. Est-ce que c'est la non-ingérence de Jovenel Moïse au changement proposé par Léon Charles? Les Arabiens, non-ingérence. Parce que si on ne savait pas, il faut moins dire. Léon Charles avait accepté le job et puis M. Djumba, laissez-moi opérer les changements. Et il y a une personne au Palais National qui a tenté d'appeler pour suggérer le changement. Léon de dire, écoutez, ce n'est pas ça que j'ai en tête pour moi. Monsieur obligé dans l'école. Donc, la latitude que monsieur gagne, est-ce qu'elle n'est pas capable de faciliter changement et sa noire mode d'opération qu'il a à faire? C'est-à-dire, est-ce que c'est, parce que Léon est un chef, même si il a posé problème, tu es là déjà, pas de tourner, mais Léon est un chef, quelqu'un qui a travaillé. Et aux Nations Unies, Marco. C'est-à-dire, OEA, l'OEA, merci. À l'OEA, donc, ce n'est pas un monde comme si vous apprenez et vous menez. Parce que c'est une personne qui, à mon avis, obligée, responsable. Parce que position pâle, son position est Pompéi, ça veut dire monsieur gagné dans le comportement des bagages à respecter. Donc, est-ce que influence monsieur expérience pas qu'à faciliter la grande cohésion au niveau de la police nationale et l'accompagnement également du ministère de l'économie et des finances, hein, à certains bagages que M. Kamandé, est-ce que ça n'a pas qu'à faciliter pour résoudre le problème de Mako? Je me questionne. Je ne sais pas si tu as d'autres questions ou si tu as toi-même des réponses, puisque nous sommes même plateforme là. Peut-être quand on est des bagages que nous ne connaissons bien ou même. Aide-moi quand même, Marco et Campagne, à trouver, n'est-ce pas, les éléments réels concernant cette analyse, parce que la police nationale est en mode d'opération depuis plusieurs semaines. Et les autres disaient, la police n'a pas réparé pour ça. Hein? La police n'a pas réparé pour ça. Hein? Suis-moi bien. Ils font opération. Plop! Tout va écraser et puis tout le monde courit. Ils ont commencé l'opération. Blindé pour un problème. Suis-moi bien. Blindé pour un problème. Ils ont retiré ou remplacé par l'autre. Et autre chose. Je me demande pourquoi les autres directeurs généraux n'avaient jamais demandé et imposé les unités du palais national qui détiennent des armes lourdes. Ils ont une opération au coin. N'est-ce que le palais national a une opération?
UAGPN, ça passait pour qui ça? Pourquoi les autres n'avaient pas demandé? Est-ce que c'est pas l'air qui pas de volonté? Ou du moins, c'est confiance, directeur général, pas d'inspirer? Autant de questions qui doivent nous permettre d'analyser de manière fine et sagace le comportement de nos autorités par rapport à ce nouveau directeur général connu pour Léon Charles. Ainsi soit-il. Marco. Et pour opération, je suis capable de demander s'il va trop bonheur. Il faut me tendre pour moi les résultats. Puisque sous Michel-Ange de Lyon, on a essayé de faire 3 ou 4 opérations. Et j'ai compté de tout avorter. Mais on a essayé. On a essayé dans le village de Dieu. Et on a essayé une dans une zone. Tu vois? Gravine? Oui, dans une zone Gravine. Oui. On a fait une dans une zone la Tibonite. Oui. Et avec les calories. Vous savez, les gens te font commentaire. Voilà. Oui. Et ils te font l'autre, Kaïdjan et Lérisson. Zone Jacmel. Zone Jacmel. Zone Stadion et Lérisson. Ça, c'est un groupe qui t'a allé. Et donc, oui, mais ton groupe policier, ils te dit opération pour ceci, cela. Bon. Et opération autour, ils ont avorté. Et ils n'ont pas jamais porté résultat. Et peut-être. Ça pour nous souligner tout dans sa cap fait là, c'est exactement ce qu'on dit. C'est intéressant que Léon Charles Vini, il s'est montré que l'Ika allait dans le village là. Mais, dans le point de presse, ou bien dans l'information que porte-parole adjoint, ou bien porte-parole la police là, baille, il a dit qu'il a arrêté un bandit. Et il y a beaucoup dit qu'il arrête un bandit. Et là, on a mené une première opération, on a dit que le bandit qu'on est venu, il prend la main. Et comme si la police qui t'a fait l'opération, pas de connaître. Si dans deux villages, ils ont la main. Comme si dans son opération, elle fait, pas qu'on zone. Pas de manière officielle. Hein? De manière officielle, oui. Je dis ça, oui. Déjà, la police a même dit ça. Donc, il dit, n'est-ce pas la main. Comme si la marine bat. Oui, n'est-ce pas la main. Et maintenant, était première opération. Si première opération n'est pas la main, la police vient continuer à mener l'opération. Est-ce que bandit est dans le village là toujours? Est-ce que c'est rentrer dans le village là qui est important ou bien traquer bandit? Donc, si nous arrivons, nous partons avec une première opération. Livre à l'échec, nous dit bandit au prenant, mais ou allez. Et opération a continué, bandit au pape tourner sur le champ. Maintenant qu'on a opération qui doit toujours mener, il y a un problème avec ça. Mais opération à mener, hein, c'est contre qui ça? Est-ce que c'est pour un village là? Même si je ne suis pas. C'est parce que. Nous voulons faire discrimination nous-mêmes. Haïti débat. Mais par contre, on parle de l'autre côté. Oui, on va aller. Il dit là, et vous avez chanté à tirer sur la police. Par contre, c'est chef, mais il n'y a pas tiré sur la police. Donc, c'est ça qui fait des opérations toujours. Il n'y a pas tiré sur la police. Ça veut dire, pour ça, tirer, il n'y a pas tiré sur. Par contre, c'est chef, toujours là. Vous comprenez? Mais il n'y a pas tiré, il n'y a pas descendu, il n'y a pas descendu, il n'y a pas comme ça. Diamapsi, beaucoup de Diamapsi. Bon, oui. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, de oui, jusqu'à présent, il y a une opération. Oui. Mais si il y a une opération, je pense que même si c'est de manière provisoire, il y a une information pour le tabac. Il faut dire qu'il y a arrêté bandit, il faut commencer à entendre des bandits stoppés, il faut commencer à entendre des âmes qui ont récupéré, qui ont saisi. Donc nous beaucoup là. Alors excusez-moi, je vais vous dire attendre. Vous pouvez mettre pas en place un petit mot. Est-ce que ça nous tout attendre pas qu'à entrer enfin m'a questionné. Est-ce que sa population haïtienne attendre? Ça attendre. Craquer bandit. Ça veut dire marrer bandit et puis montrer qu'ils âme qui quantité d'âme ont saisi. Est-ce qu'elle pas prendre avec problème police? Parce que Mapson, j'ai de recevoir un spécialiste en sécurité. Et selon l'information que fait, Yves Kader. Et l'écrit nous, il dit nous, la vie n'a fait année à ce question ça. Exactement. Il profite de me saluer. Maintenant, le problème de sécurité,
de manière scientifique, yo pas tué tout bandit qui gagne dans zone, ni yo pas ramasser, river ramasser toutes âmes qui gagne dans mes bandits. Nous en Haïti, nous fait contre là. Tout le monde attend pour bail quand c'est des âmes ramassées, quand c'est des bandits mouri ou bien quand c'est des bandits. Or, en matière de sécurité, selon stratégie en sécurité. C'est le spécialiste qui dit pour nous. Donc, qui développait. Non. Par rapport avec analyse, ça me suit de monde qui s'est spécialiste. Ou pas allons zone qui gagne bandit pour touiller tout bandit, ni pour prendre toutes âmes. Ou mettez bandit en situation pour ne pas qu'à fonctionner. Ou limiter bandit. Ou connaît bandit là, parce que même en Colombie, c'est ça qui fait. Yo limite bandit. Pour bandit pas qu'à fonctionner, pour bandit qu'on est mon cap sorti mal passe là, son doit le gagner pour passer sous la rue. Idem pour village de Dieu. Ou bien Tibois Grand Ravine. M'a demandé, est-ce que si n'attend vraiment, j'en attend rien, que la police débarque, yo touye tout bandit ou bien yo marre tout bandit, yo prend toutes âmes, est-ce que. Pas la population, et pas sa m'a dit non. Non, m'a questionné, parce que gon j'en moun yo attend, oui. Dans le sens que bandit yo mais ça fait pour la police. Posons action. Maintenant, est-ce que peut-être contraire n'a pas fait, dans le sens que pour coincer ces bandits, mettez en situation difficile pour quitter le peuple en fonctionner. Je ne comprends pas ce que je dis. De manière scientifique, je ne comprends pas ce que je dis. Mais, si vous n'imaginez pas, comme si vous comprenez, il y a besoin d'assassinat, il y a besoin de prendre une âme, pour ça, pas ça. Et de Mexico. Vous connaissez. Bon, je vais mettre ça dans deux, non? Pas une machine qui est dedans qui a sorti. Dans le village. Pas une machine qui est dans le village qui a sorti. Haïti débat. Right? Tout le monde sous moto qui a sorti, ou screené tout le monde à honnête. Parce qu'il y a des photos qui ont gagné, vous voyez si vous avez. La police. Capable touiller tout bandit en dedans. Il pas capable jamais saisir tout ça en dedans. Mais depuis opération, il pas capable pour monde pour essayer là village là encore. C'est-à-dire premier aspect positif de l'opération. Il pas capable pour monde. Mais deuxième bagage qui est tout, n'est qui compte sauter en dedans pour prendre monde dehors, il pas capable encore passer par les sorties. Donc il a réduit capacité. Négio, c'est ce que je disais, limité. Pour alimenter, il y a alimenté tête, on a un argent et un armement. Maintenant, l'autre aspect qui est encore, là on a une situation ça, Marco. Négio, qui a défendu tête, il y a qui s'est bandit, il y a tendance à utiliser plus de munitions que le monde qui a attaqué là. Parce que l'histoire défensive. Il y a réduit la capacité, Négio, pour approvisionner tête, en munitions et en armement. Et là, je suis obligé de mettre à faire la guerre dehors, vous comprenez? Parce que l'imli, vous savez, pas oui. Oui. Si à même temps, pas continuer à faire en amont. En amont, oui, exactement. Maintenant, Kounia, il a diminué la capacité de tout que vous avez. Il y a deux bagages qui vont le produire. Il y a qui ne peut pas camper. Vous avez plagié ça. Vous avez obligé de déserter. Vous avez obligé de passer. Il n'est cap tombé et n'a tombé à Guinée depuis où elle a jeté. Donc, opération ça, c'est des opérations de manière continue, qu'a fait de manière progressive, jusqu'à ce que vous mettez en difficulté. J'avais dit, puis qu'on comprenne, en janvier, en février, si opération a continué comme si n'a pas guetté tout bagarre à régler. C'est ça que fait. Vous pouvez entendre trop de bruit. Sous massacre. L'arrivée au cœur même d'espace de d'évolution, de prédilection de Nebio, dans Nebio. Ou bien, vous tendez à faire assassinat, dommage collatéral. Parce que il y a des monde qui ne pas quitter sorti en dedans encore. Mais en même temps, tout, encore pas oublié, non? Le, en dedans. Gé bar, gé hôtel, gé restaurant, bon gros business qui a fait en dedans, gé football, gé tout baye sa yo. Baye sa yo, yo généré un pile cob
Ça veut dire que camion qui peut entrer à vendre de l'eau, prestige, bagaille, etc. dedans, camion ça va pas rentrer encore. Manger du riz, bagaille, poids, maille, etc. Charbon, gaz, ça va pas rentrer encore. Négo dans la situation de manque pour série de bruit. Il y a plein sur le temps. M'a dit tuer, non? Il y a joué avec vous sur le temps. Et c'est ça la stratégie de Léon Charles et l'équipe Cap Mener. Tu as dit tout à l'heure quelque chose. D'accord, tu attends les résultats. Mais nous sommes peut-être, toi et moi, nous sommes peut-être trop pressés. Parce qu'il y a des guerres qui ont duré 100 ans. Parce que le débat est passé, il prend un nombre de temps pour le passer. Nous sommes peut-être tellement pressés, nous besoin que vous preniez tout de suite, mais là, nous avons étalé les âmes en bas. Tout le monde tout dit, pas de moyens pour aller goûter avec eux. Mais tout est oublié ça. Oh, n'est-ce pas, vous avez pas de moyens. Et je dis à la police à rentrer, et vous ne attendez pas de moyens encore même. Vous attendez pas de moyens encore même. Donc, le bon côté question ça, c'est qu'en fait, le monde qui a passé, le VAR n'est plus contrôlé par le groupe. Aujourd'hui, la police a fait opération, on ne doit pas aller passer. Mon aigle doit paraître, il descend, il traverse. Mais avant ça, on ne peut pas aller parce que voilà, a changé. Donc, il y a des gens qui dit, ou se dit tout à l'heure, après opération, ça à côté, on peut aller. Chaque zone, il y a une configuration par eux. Ou un petit bois à l'autre côté, c'est vrai qui t'a sous tête monde. Pour lui. Il est beaucoup plus facile pour entrer sous ça que peut-être pour aller attaquer l'autre aigle. Après, il y a une deuxième balle qui vient. Il y a deux doigts qui n'ont pas me donner, il y a l'autre qui revendique, mais comme si zone côté au prend tout le monde. C'est dans le village. Donc les gens font le choix. Et parce que tout, le t'es toujours petit bois. Nous t'es toujours contre passer sur route nationale. Le village là, nous n'avons pas qu'à passer encore. Donc, bon bagage qu'il y a avec configuration géographique et la police là avancé. Mais la dimension politique là-dedans. C'est gêné, gêné qui fait un beau cas. Il y a beaucoup qui a dit, mais la police a tué mon en bas pour dresser un rapport sur la question de la moune pour l'institution qui a continué à marcher. On a dit, mais tout ça, on a pris ça. On a presque arrivé. Mais quand on a suivi, on a peut-être pas qu'on va parler, mais comme c'est l'émission, on a fait. Comment vous voulez, on aide ou revendiquer, tu vois bien, ou revendiquer qu'on prend un moune et mettez dans le bas. Vous vendiez que. Et pas comme si vous dites non. Vous même dit pas le dire. Et puis, quand il a fait opération à pire, et puis, quand il a mis sur une radio pour le parler, pour le dire, mais il a tiré sur le monde. Non, non, écoute. Moi, capable de comprendre où mon dit. Qui est en train de kidnapper. Vous dites. Mais pour aucune preuve, il n'y a rien, mais vous dites. Mais où même vous finissez dit. Mais soit fait, mais soit fait, mais soit fait, comme si vous t'arrêtez les non-radio, pour mettre en direct, pour dire tendez pour un coup de balle, c'est pour un. Bon, moi-même, gars, je vais ça. Qu'elle soit chef de la pays, ça, radio, ça me fait même. Mais c'est ce que me fait même. Si yo dit au monde, ah, ouais, ouais, yo cap dit. Mais comme si, ou elle est, ou dit, oui, me prend un tel, me prend, il faut pas me t'en cop, il faut pas me tout barrer, et puis qu'on y a. Il y a une opération pour nos amis, nos radios qui ont fait émission, oui, c'est moi, même oui, mais à petit rendez mon fort temps pour m'attendre politique. Ça ne peut pas se faire. Ou pas qu'à faire comme ça. Non, non, ou m'a obligé de dire je dis, si on a joué, vous n'avez pas, mais comment t'as fait comme ça? Ou il y a joué, Marco? Oui, il y a joué. Marco, mais Mexico. Alors, bon, dis-le, Goumaï. Bon, t'as un scoop sérieux dans le bail, ça me quitter le bout. Ou pas, j'aime réfléchir pour vous. On a réfléchi pour eux. Bon, tout le monde en termes de formation qui est dans le pays. Et nous même dans ce groupe qui gagne. Ok? Et puis, quand il y a là, où est-ce qui tombe pour vous? Il faut poser toutes questions. Il dit, qu'est-ce qui se passe dans le pays? Papa, je m'intéresse à ça du tout. Donc, et papa, et parce qu'on ne peut pas dire ce groupe vrai. Mais va oublier, non? Attention, il faut dire bon côté, bah, ça tout. Population, attendez, vous n'avez pas ça qui parle. Radio ça. Lui, écoute lui. Parce que la population a attendu. Parce que la population a attendu. Ça, bandit, ça a dit. Ça a dit. Bien, au regrette que le bagage attendait sous ce coup. OK?
l'attendez l'autre monde a parlé. André Michel a parlé, Nenel Kassi a parlé, Internet a parlé, Jovenel a parlé, Matéli a parlé, Aristide a parlé, depuis 18, bon, il m'a fâché. Il a dit, là, voilà, ce n'est pas PHTK, a fâché. Oui, Michel Matéli a parlé, Moïse a parlé, donc, il n'y a pas de problème. Même pas qu'on on est. Bon, si c'était sous Caraïbe, on a pris le Vatic. Ah oui, on a pris le Vatic, on a pris le Vatic. On va faire ça. Comme il va sous Caraïbe. Marie l'autre a dit que Marie le Moundi n'a pas fait ça. Vous comprenez? Mais il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Donc, même Jean, comment on a gardé l'encore? Nègre militaire, que la police a fait une opération contre lui. Ravix. Ravix. Il a attaqué Ravix. Ravix, c'est le nom radio. Joseph. Oui, lui, il a le nom radio. Vous dites, mais la police a fouillé, mes amis, tout ça, Ravix, c'est le paysan. J'aurais l'air dire que. Qui Jean? Qui j'ai pour monter à l'ombre comme ça? Il n'est pas normal. Donc, là nous dit pays, il faut nous repenser pays, ça à tous les niveaux. Ça à tous les niveaux pour nous repenser pays, pour nous construire une véritable démocratie. Donc, revenons pour dire 30 ans après, nous sommes encore là. La stade d'opération, bandit, les mêmes bandits qui existaient après pendant 30 ans, qui étaient en Cité Soleil, soutenu par la politique, soutenu par l'agence du secteur privé. Même bandit ça aujourd'hui a le transformer parce que net ça a été petit, mais on était toujours dans le ghetto. Gros net qui était là, mourir, il y a une prison, il y a une libéré, il y a un petit ça. Net ça a fait opération. Contre yo, sauver ou mourir ou emprisonner. Après 5 ans, 6 ans, 10 ans, on a pris même bas encore parce que nous n'avons pas fait rien pour le peuple là. Nous allons mettre structure pour aider le peuple. Nous allons mettre personne d'école. Nous allons créer un travail dans le pays. Ça, pire bon pour nous, il nous fait. Marco, voler. Oui, ça, c'est ce qu'on fait. Bon. Parce qu'en général, nous n'avons jamais abordé des problèmes en amont. Et les qui ont des âmes dans le quartier populaire, depuis le début de l'année 2000, si nous prenons la dernière année, il y a toujours dans le quartier populaire. Mais ça va empêcher que tout le plus. Toujours que plus. Tout le monde. Et c'est ça que fait moi-même, je pose des problèmes pour ça. Mais et ça va bien pour vous avec Léon Charles. Et Léon Charles l'a mené l'opération. Oui. C'est que l'opération pour mener, qu'il mène. Mais est-ce que nous avons l'État qui va réfléchir pour lui dire la police n'a pas arrêté, l'État m'a été dans le nom de Dieu. La police a même mené une opération pendant 2-3 mois. Après ça, il va aller. Après ça, il va aller. Et puis là, il dit, il va comme il va vous dire comme ça. Il était comme ça déjà en 2004. Et qui ça qu'il fait après l'opération? En 2004, il était comme ça. Tout le monde était quitté la zone net. Il était allé. Donc là, après l'opération Bagdad, on est retourné dans la zone. C'est une zone, une période, il était comme fait noir net. Parce que tout le monde est allé, il était quitté Caillou. Il était en 2004. Ça veut dire que je dis à la police qu'elle doit retourner à mener une opération, mais ça pour fait tout le temps, il fait toujours pas résoudre. Parce que on pas t'a dit ou cracher sur l'opération la police. Non, mais pas du tout. Donc assurément, l'opération est retombée, ou bien d'ailleurs de positif pour l'opération. Exactement. Oui. Mais tout le monde connaît tout. Problème non. Mais c'est d'abord un problème socio-économique. Économique, exact. Un hein? Problème socio-économique que nous pas résoudre. Ça c'est un. Deuxièmement, l'État n'a pas jamais une politique qui permette que les rivières sous le monde qui vivent dans le quartier populaire. Et après, je dis, nous avons une tendance, je dis à son constat que nous amplifions. Il y a plus. Il y a plus de quartier populaire, il y a plus de quartier de nos droits. Et la police doit toujours faire effort qu'il a fait là-haut. Mais si pas gagne en l'État qui vient, qui l'a, qui dit, bah, il y a beaucoup de problèmes là-haut, dans la racine, il y a beaucoup de problèmes en amont. Par exemple, pas d'abord, nèg qui gagne des âmes qui dans le quartier populaire, pour moi-même, problème non, c'est qui gagne des âmes. On est qu'à monter mon vidéo, on est qu'à un bec sous dol, bec là plein cartouche. Il dit on est vidéo.
Et puis, il a vidé le dîner, il n'a pas vidé tout. C'est-à-dire que mon chef gang qui a une valise, qui a un ballon bec qui plein de cartouches. Donc, si pour nous résoudre le problème de sécurité, il faut que nous vivons côté pour nous résilier. Nous. Parce que nous entendons Jean-Rebel Dorsey qui dit toutes les armes et les munitions qui ont rentré dans le pays, c'est 11 familles qui ont rentré. Donc, on a, si on le nouvelle pour problème d'insécurité à résoudre. Si c'est vrai, ça me dit, ah oui. Oui, bon, si c'est vrai, ça me dit, mais comme monsieur est pour l'État, le travail, m'oblige à prendre ça, le dit, en compte, monsieur dit, 11 familles qui ont rentré. Bon, même les pas 11 familles, la 20, même les pas 20, la 30. Oui. Même monsieur connaît. Mais monsieur connaît, monsieur connaît là-dedans, et tout le monde connaît tout, Zamio est dans le ciel, le souti. Oui. Bon, côté souti qui fait au vin rivé là. Donc maintenant, la police doit toujours mener une opération, mais tout autant, nous ne pouvons jamais dire un jour. On nous arrête une, on nous arrête deux, on nous arrête trois dans le monde qui a peut-être des munitions. Parce que pour moi-même, pour moi-même, tout le monde a toujours été quoi que bandits, le village de Dieu, les gravines. Seulement. Depuis là, nous pensons, le problème n'a pas jamais résoudre parce que bandits n'est pas là, c'est vrai. Parce que nous avons fait exercice ça avec un ensemble de jeunes, les avons échangé avec eux. Je dis, là nous un jeune petit garçon, 14 ans, 13 ans, à 11 ans, Namel, qui a 4 cartouches, le Brésil font un gol, il fait 2. Vous comprenez? Il m'a fait le deuxième gol, il a 3 cartouches. Je dis, est-ce que nous venons réfléchir à ça? Côté le jeune Zam, ça est un. Munition la pète là, dans 4 cartouches la petite, côté le jeune. Yo. Et je demande au même, exercice ça, est-ce qu'il est facile pour nous? Si je m'en ai 1000 gouttes, je dis, on va acheter 4 cartouches, moi qui connais la mettre tête. C'est-à-dire que les gens qui ont des âmes, qui ont des cartouches, qui ont tiré dans le quartier populaire, sont des petits bandits liés. Qui ont des ramifications. Ah, ils ont des piles de ramifications. Pour côté, côté le joint, gros gol, zam. Bon, on est qui ont un AK-47 dans le monde. Donc, on est qui vivent dans le quartier populaire. Ils ont, c'est pas dans le panier chou qui sont 15 coffres pour eux. C'est-à-dire, pas machin 15 coffres qui pour eux. Et pas via les tigouas qui sont dans les paniers oranges ou bien papayes. Mm-hmm. Ça veut dire que c'est une série de nègres qui sont des haïtiens à part entière, qui contrôlent un bon dans le pays. Qui fait business. Qui fait business, qui rentre avec Zamzayo. Et nègres ou à Zam dans le quartier populaire, ils ont côté pour rencontrer Mounsa pour baler ça. Ils ont loué tout. Ils ont loué, ils ont un paquet de bagages qui ont fait avec eux. Bon, beaucoup de chambres dans des ici ton jour. Yo dit, on nous arrête des nègres, des nègres qui ont rentré munitions. Comme si pas une personne qui j'aime connaît. Mais très souvent, ils ont arrêté bateau, Zami. Hein? Ou arrêté bateau, ça, mais ils n'ont pas jamais vu un bateau à personne. Ouais. Zami, quand on est arrivé dans le quartier populaire, quand on est dans des iso bandits, c'est la bandit. Mais mon cher, gros bandit, nous ne pouvons jamais arrêter. Ma coupe, je ne sais pas. Léon Charles, il n'a pas fait ça, mais il faut jouer ta café ça. Oui. Ouais, faut jouer ta café ça pendant pas dans Taïli, faut ta café ça comme président CSPN, faut mis activer mini justice là. On est là chercher attaquer moun, dit moun passer, si moun passer là, pour mini justice à mettre pantalon dans Taïli. Nèg cap faire munition ça rentre là pour l'arrêter une, pour l'arrêter deux. Si monsieur fait ça gari. N'a pas 25% ou 30% munition et pas dans carte populaire. Et le travail a bien plus facile. Mais mon cher, vous devez ajouter un bail sur ce que tu dis sur le plan social. C'est Gédéon, Michel-Ange, qui m'a eu une conversation avec lui, qui t'a expliqué ça. Le mapement de monsieur, il y a plus de jours, il y a plus de parler de où, comme si tu es dans le commissariat, tu es dédié, tu es efficace, ou directeur général pas efficace. Même Jean, encore, monsieur, dit qu'il est du mal. Je vais rentrer dans le village de Dieu, je vais faire opération. Je vais faire opération. Je vais tirer le bandit. Et mon yo, qui va gagner pour vivre, qui va travailler là. Qui vient ou pas le faire pour vivre, puisque l'État n'a pas suivi l'opération. En termes d'assistance sociale, je vais faire opération. Haïti débat. Parce que par les bandits, aider mon yo à manger, aider au bois, aider au fond, paquet de bagages, vivre. Qu'on y a ou même retirer le bandit. Ils ne sont pas là. Reste mon qui était.
c'est des potentiels monde qui parlent dans bandi encore tout de suite parce que l'État n'est pas venu pour bailler au plat chaque jour, il n'est pas venu pour faire l'école, il n'est pas venu tout pour sensibilisation, etc. Donc, je te rejoins, opération qui nous a fait à bâton, puis maintenant, est-ce que gagné un projet social, ministère des Affaires sociales, FAES, est-ce que vous avez un dégagé pour entrer dedans, pour régler le problème de l'école pour Mounio, problème de santé, un centre de santé en dedans, si Mounio pour avoir un plat chaud chaque jour. Parce qu'il faut remplacer le travail bandit à faire pour utiliser Mounio comme bouclier. Mais si l'État n'a pas fait, le monde n'a pas absolument dans la rue. Il a commencé à demander, maintenant, m'a dit, après, m'a dit, petit, il vient de bandit carrément, il a cherché l'argent. Oui, il a continué. Donc, c'est quand même un bon bagage de mener les opérations, mais il faut bien que l'État ait un marketing dans la tête, un programme, un projet social dans la tête, très large, très vaste, pour toucher maximum de monde, pour éviter que Tipitio ne parvienne pas à dire. Oui, moi, je pense que tout, Gary, a ajouté à cela, c'est que il faut avoir un programme d'aménagement. Parce que en dans le village de Dieu, il y a un ensemble de quartiers populaires, que nous les ghettos, en dans le quartier, ça a gagné un genre construit. Maintenant, si village de Dieu, par exemple, la police rentrée, il fait des opérations, et en fait, il y a deux monde qui allaient, soit bandits allaient, ou bien il y a deux monde qui quittent zone précisément, moi, je pense qu'il faut que tu aies fond aménagement. Parce que configuration zone, les gens zone fait en dedans, pour les gens qui ont habitué à visiter, il y a un problème. Quand il y a un problème, je me demande est-ce que si zone n'a pas été pour nous vivre là-dedans, est-ce que pas un minimum d'aménagement que tu as fait en dedans quartier ça? Parce que, gain de gens quartier, oui, moi presque sûr et certain que même le, yo t'a fait une intervention dans quartier Sao, après un petit temps, eh ben situation a vu même gens parce que gens zone nan yé en président. Conseil de côté en dedans, gens enclavé. C'est-à-dire gens zone nan comme si m'ta dit l'on rentrer pas sorti. Et quel que soit moun qui sorti l'autre côté, c'est pas sans raison qu'il faut que gain de cas de kidnapping ou t'as des serbaïs ou à la veine. Est-ce que qu'on y est, si l'État arrivé, enfin, la police arrivé, rentré, fait des opérations, limiter bandits ou l'action que vous avez posé, est-ce que l'État lui-même pas t'a doué avec mairie, fait une forme d'aménagement pour circulation post-slanda? D'ailleurs, il y en a ça qui joue pour quartier populaire, conseil de côté, c'est que ou gagnons entrée ou gagnons sortie. Ou pas gagner plusieurs entrées ou pas gagner plusieurs sorties. Ou gagner une entrée et une sortie. Est-ce que vous n'y si vous pas gardé question aménagement territorial, pour garder pour une zone nan, pour rendre accessible, maintenant, policiers ont de côté pour entrer. Bandits qui en dedans connaissent que, une fois que policier rentre, bon côté le mettel, c'est comme s'il mettait non niche guette. Donc, vous n'y a faut qu'on moune passe avec ça. Parce que gagner de monde qui était, qui tout dit carrément, est-ce que zone ça a dû continuer à exister? Bon. Thank you.